Ce lundi 20 janvier, dans la matinée, le prince Harry est parti à la rencontre du président de la République du Malawi, Peter Mutharika, lors du sommet Royaume-Uni-Afrique sur les investissements à l'hôtel Intercontinental à Londres. Une visite surprise qui pourrait bien être la dernière, avant un petit moment, au Royaume-Uni. Et pour cause, comme le rapporte le Daily Mail, le second fils de Lady Diana devrait retourner au Canada le soir même où se trouvent actuellement Meghan Markle et son fils Archie. Plus rien ne le retient, il a officiellement démissionné de ses fonctions. Le prince Harry devrait donc manquer le discours de son frère, William, qui se tiendra dans la soirée à Buckingham Palace à l'occasion d'un sommet spécial qu'il a organisé. Selon une source proche des têtes couronnées, il ne viendra pas soutenir son frère tout simplement car leurs emplois du temps ne correspondent pas. Ces derniers temps, et à l'abri des regards, ils ont longuement échangé à propos du mégot. Une réunion qui aurait été bénéfique, leur relation se reconstruit petit à petit. Le prince Harry, une nouvelle vie entre le Royaume-Uni et le Canada avec son épouse, le prince Harry a fait le choix de vivre une partie de son temps au Canada, pays pour lequel ils ont eu un véritable coup de cœur. Là-bas, ils souhaitent construire une nouvelle vie, loin de leurs engagements royaux sur lesquels ils ont définitivement tiré un trait. Comme l'a indiqué le petit-fils d'Elisabeth II dimanche 19 janvier, il souhaite une vie plus paisible. Mais le duc l'a assuré, l'Angleterre restera éternellement sa maison. Si est avec beaucoup d'émotion qu'il a dévoilé les raisons de son éloignement qui, selon lui, n'est pas vraiment un « je veux que ce soit clair, nous ne nous éloignons pas, et certainement pas de vous ». Notre volonté était de continuer à servir la reine, le Commonwealth et mes associations militaires, mais sans financement public. Malheureusement, ce n'était pas possible. Meghan Markle se sentirait déjà libérée.